Donc je m'appelle Mickaël Jacquemin, je suis agriculteur à Dol-la-Marne, je suis producteur de pommes de terre et une de mes problématiques sur l'exploitation, en fait, c'est de pouvoir allonger mes rotations sur pommes de terre pour avoir une pomme de terre de qualité et avec des pratiques qui respectent l'environnement. Donc une des solutions qu'on a à notre disposition, ce sont les échanges de parcelles annuelles avec des céréaliers voisins. Donc c'est là où j'ai eu cette idée de constituer un site internet de mise en relation d'agriculteurs. Et là, en l'occurrence, mise en relation d'agriculteurs producteurs de pommes de terre et des céréaliers. Donc le site Échange Patates est un site en fait de co-farming. Le dispositif est très simple, l'inscription se fait en 4 phases. Premièrement, je m'inscris, je dépose une annonce. Donc je suis producteur de pommes de terre, on me propose une cartographie où en fait je dois dessiner sur une cartographie la zone d'intérêt pour moi qui peut éventuellement correspondre en fait à la zone potentiellement irrigable. Ensuite, le céréalier, lui, a une autre cartographie disponible qui lui permet de géolocaliser les parcelles qu'il est prêt à mettre à disposition sur l'année culturale suivante, là en l'occurrence pour la récolte de pommes de terre 2018. Nous avons donc notre algorithme échange patates qui va mettre en relation tous ces producteurs de pommes de terre ou de céréales sur cette même zone géographique, va envoyer un mail à ces agriculteurs pour leur proposer de se mettre en relation et éventuellement de négocier un échange annuel. Échangepatates.fr va permettre aux agriculteurs d'échanger leurs parcelles de pommes de terre avec des céréaliers qui, eux, n'en font pas. L'objectif étant de pouvoir pratiquer une agriculture plus raisonnée, plus raisonnable, qui correspond à l'agroécologie, et l'objectif étant de produire des pommes de terre de meilleure qualité. Donc ce site internet échangepatates.fr va être mis en ligne à partir du 14 et du 15 juin, au moment des culturales qui vont avoir lieu cette année près de Reims, à la ferme 112. Nous avons vraiment été honorés d'avoir été choisis dans le concours Bayer sur notre projet Échange Patates. Cette nomination va vraiment nous aider en termes de communication pour nous lancer. Ça va être un véritable tremplin qui va nous permettre dans les semaines à venir de pouvoir communiquer un maximum et faire connaître notre produit.